l'accord commercial de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Accord qui se négocie dans l'opacité et le secret le plus total, ce qui est fondamentalement antidémocratique, Maurice. Voilà, vous pointez, Jean-Jacques, la principale tare de ce TAFTA, son caractère antidémocratique, puisque les peuples concernés, aux États-Unis comme en Europe, ne savent rien de ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, la nomenclatura qui nous gouverne, en notre nom et pour notre bien, cela va de soi, revendique ce secret. Au moment précis où les peuples font, et ces peuples qui défont et font les présidents, se méfient désormais de tout transfert de souveraineté. Sans doute ont-ils tort, ces peuples, d'être à ce point frileux, mais c'est ainsi. Les grands de ce monde leur proposent un traité de libre-échange, alors qu'ils ne désirent, eux, les peuples, rien d'autre qu'un retour aux bonnes vieilles frontières, à l'économie nationale, voire même à la consommation locale. Ils ont trouvé hier une alliée formidable en la personne de la chancelière Merkel, oui, qui a dit au président Obama « c'est finalement pas mal d'acheter allemand ». Oui. Donc le TAFTA, ce n'est pas tendance. Les Européens n'en veulent pas, les Américains pas davantage. Trump se déchaîne contre le TAFTA et Hillary Clinton n'est guère plus enthousiaste. Alors François Hollande dit en avoir pris conscience. Il pourrait même accélérer l'échec de ce 13e round. Vous y croyez, vous ? Pour une fois, ça vaut le coup de citer le président de la République, car il balaie le projet TAFTA avec une explication limpide. Que dit-il, Hollande ? S'il n'y a pas de réciprocité, et il n'y en a pas, s'il n'y a pas de transparence, et il y en a encore moins, si pour les agriculteurs il y a danger, si nous n'avons pas accès au marché public américain, et si en revanche les États-Unis peuvent avoir accès à tout ce que l'on fait ici, je ne l'accepterai pas. Un seul chiffre, un seul, pour montrer à quel point le raisonnement de Hollande est pour le coup pertinent. Les Américains peuvent débarquer sur 85% des marchés publics européens. Au même moment, les Européens sont autorisés à s'intéresser à 32% des marchés publics américains. 32 contre 85 en termes diplomatiques. Drôle de négociation, dites-moi. En termes diplomatiques, on appelle cela une réciprocité insuffisante. Plus simplement, les Américains prennent les Européens pour des gogos et cherchent à imposer un traité qui leur soit exclusivement favorable. On peut espérer qu'aucun leader européen ne cède devant ce diktat. Oui, enfin ça nous verrons bien. D'ailleurs, Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement et ministre de l'Agriculture, sera mon invité demain matin et je ne manquerai pas de l'interroger là-dessus. Il y a une accusation plus grave encore. Le TAFTA remettrait en cause l'art de vivre à la française. Ah, c'est en effet ce que prétendent nos souverainistes de tout poil, qu'ils soient de droite ou de gauche. Ils sont d'ailleurs relayés par un ancien ministre de l'Agriculture, désormais candidat et outsider à la primaire de la droite, Bruno Le Maire. Oui, mais ça a commencé quand, le TAFTA ? Pardonnez-moi, Bruno Le Maire, il est extraordinaire. Hein ? Bien entendu, ça a commencé avant. Il a été ministre de l'Agriculture, il aurait pu dire non avant. Il a négocié le TAFTA. Il a commencé à négocier. Alors, écoutez le maire et les autres, TAFTA le diabolique, TAFTA le maléfique, nous contraindrait à ingurgiter du bœuf gonflé aux hormones, des poulets aspergés de chlore et des porcs piqués aux antibiotiques. Bon. Il y a suffisamment de bonnes raisons de s'opposer à un traité mal fichu, mal pensé, qui, contrairement à son objectif, n'ouvrirait pas forcément une nouvelle ère de prospérité des deux côtés de l'Atlantique, pour ne pas raconter tout à fait n'importe quoi. Non, rassurons-nous, TAFTA n'est pas encore l'ennemi de la bavette française. Merci Maurice Zaffran ce matin sur RMC. Merci, 8h28, il y en a un qui est opposé aussi à TAFTA, c'est Philippe Martinez, le patron de la CGT, mais il est pro-nucléaire, Philippe Martinez, mais il va nous parler de la grève à la SNCF et d'autres sujets dans quelques minutes. C'est le nucléaire. Oui. 30 ans, jour pour jour, après la catastrophe de Tchernobyl, faites-vous encore confiance au nucléaire ? C'est notre consultation, vous votez oui ou non par SMS au 6 10 71. Bourdin Direct, RMC tout en direct.